Sur ce thème très précis hein, du cadre de référence des compétences numériques, euh, qu'a évoqué d'ailleurs dans son discours euh, d'introduction de nos assises Madame la Ministre, elle a rappelé d'ailleurs les éléments essentiels hein, euh, que nous avons retenus pour la mise en œuvre de ce cadre de référence, dont je rappelle qu'il est appliqué bien entendu en Polynésie française, et c'est un sujet qui a aussi été évoqué euh, par Madame l'inspectrice lorsqu'elle a euh, notamment développé... Euh, son sujet sur la nécessité de renforcer l'éducation numérique des élèves. Voilà. Donc, on va partager cette intervention avec mon collègue Éric Sigval. Je vais commencer par vous rappeler quels en sont les enjeux qui président finalement à la constitution et à la mise en œuvre de ce cadre de référence quelles en sont les modalités retenues. Puis je m'attacherai aussi un petit moment à vous dire comment dans le premier degré nous mettons en œuvre ce cadre de référence. Et ensuite je passerai la parole à mon collègue, parce que l'essentiel du travail quand même de certification du CRCN se situera au niveau du second degré. Alors, les compétences numériques dont on parle là, maintenant, constituent évidemment un élément essentiel du parcours scolaire en premier lieu, ce qui veut dire qu'il y a forcément un lien avec l'école. C'est d'ailleurs dans nos programmes, puisque c'est évoqué dans le socle commun. Et ils font maintenant l'objet d'un référentiel particulier. Et c'est aussi un élément essentiel de l'insertion professionnelle, on l'a entendu tout au long de cette matinée. Autrement dit, c'est un cadre de référence qui effectivement est travaillé, évalué et certifié à l'école. Mais qui va servir aussi dans le monde professionnel. Et c'est enfin un élément essentiel de la vie citoyenne, comme chacun le sait, et d'ailleurs le directeur général l'a évoqué dans son discours, dans sa conférence. Il y a effectivement des usages citoyens qui sont maintenant fortement liés au numérique. Et c'est nécessaire dans une société, notamment dans l'environnement technologique qui évolue constamment. Et c'est vrai que la société d'aujourd'hui, c'est déjà une société numérique. La société numérique n'est pas en devenir en Polynésie française, elle est déjà une réalité. C'est d'ailleurs cette phrase qui introduit l'excellent document d'accompagnement de mise en œuvre de ce fameux CRCN, qui est construit sur différents niveaux. Il s'adresse bien entendu d'abord au personnel d'encadrement. Mais il s'adresse aussi plus particulièrement aux enseignants qui sont en charge de sa mise en œuvre. Et il est aussi conçu de manière à ce que les parents d'élèves s'y retrouvent, parce que le postulat de départ qui est fait autour de ce cadre de référence, c'est que ce n'est pas que l'affaire de l'école, Madame la Ministre l'a rappelé, l'éducation numérique de nos élèves concerne d'abord, j'allais dire, et en premier lieu, les parents d'élèves, puisque, on l'a vu tout à l'heure, que... Les internautes sont de plus en plus jeunes, y compris ici au niveau de la Polynésie française. Alors, pourquoi un nouveau cadre de référence Alors, c'est Stéphane qui en parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a un peu moins de 2 milliards de sites qui sont actifs. Et quand on regarde l'évolution, effectivement, de l'Internet au niveau du monde, on s'aperçoit que depuis 2000, alors je rappelle que c'est en 2000 qu'on a commencer à créer le premier cadre qui s'appelait le brevet informatique et Internet. Et en 2000, il y avait très très peu de sites Internet en circulation. Alors 2000 en Polynésie française, c'est le début du projet Mettois. Donc c'est le début de la mise en œuvre ici en Polynésie française de l'ADSL. 2000, le Minitel existait toujours. <laughs> Dommage que le vice-recteur est parti, parce que le Minitel, c'est 1980-2002. Donc c'était quasiment la fin du Minitel et quand on regarde 20 ans après le B2i, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit que l'évolution des usages numériques les plus importantes, ce sont les évolutions des usages en connecté. On le voit d'ailleurs au niveau du nombre de sites actifs, et on le voit aussi sur le développement des différents réseaux sociaux dans le dernier né dans ce graphique, c'est TikTok depuis donc 2016. Et compte Carl disait qu'effectivement, Facebook, c'est déjà le réseau social des vieux. Il a été introduit peu après les années 2000, effectivement. Donc, c'est ça, on est sur une nouvelle génération d'utilisateurs. Donc, nouveaux usages, forcément, c'est nécessaire de développer un nouveau cadre de référence des compétences numériques. Et pour rappeler quelques chiffres au niveau de la Polynésie française que Carl a développé ce matin, j'en ai retenu quelques-uns. 84% des Polynésiens sont des internautes. 60% se connectent tous les jours. 63% de la tranche d'âge 11-14 ans dispose de la téléphonie mobile. Et là, on est sur le collège. On est sur le collège, on est sur les CJA. Je rappelle que le permis Internet qu'on met en place en Polynésie française en relation avec la gendarmerie nationale, il est positionné fin de l'école primaire en CM2 justement pour anticiper l'arrivée des élèves au collège, parce que c'est là qu'effectivement les choses et les usages se développent de manière exponentielle. 96% des internautes utilisent les réseaux sociaux ici en Polynésie française, Alors, les trois plus, les plus utilisés, qu'Al en a parlé. Et c'est vrai que le site de l'ADG 2E, c'est un des plus visités. Autrement dit, la communauté éducative, hein, moi je le comprends comme ça, est très active sur Internet. C'est-à-dire les enseignants, mais aussi les parents d'élèves et, 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 et dans une certaine mesure les élèves eux-mêmes. Là où les choses sont à encadrer, à prendre plus particulièrement en considération, et c'est tout le sens que l'on peut donner à la mise en œuvre du CRCN à l'école, c'est que les enfants utilisent déjà Internet ici en Polynésie française. Si vous avez l'occasion de nous suivre demain matin, une des heureuses a expérimenté dans une classe de CM2, pas très loin d'ici à Roué, la mise en œuvre d'un réseau social à des fins pédagogiques. Et quand elle a analysé finalement les usages des élèves de cette classe de CM2, pratiquement tous sont déjà sur un réseau social. CM2, c'est la tranche d'âge de moins de 11 ans. Et la grande majorité utilise les réseaux sociaux sans forcément le contrôle parental. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et dans cette classe, qui n'est pas si loin de nous, TikTok est utilisé par un bon tiers des élèves de la classe. Ça, c'est la réalité donc, des classes. Autrement dit, il faut un cadre de référence des compétences numériques mieux adapté que ne l'était le B2I aux usages actuels que les élèves, donc les enfants en dehors de l'école, mais aussi que les grands élèves, les futurs étudiants, puis les, les parents d'élèves font à l'école et aussi dans la société. Il remplace le B2I qui a fait 100 ans, effectivement, hein, il a été conçu dans les années 2000, il n'est plus du tout adapté. Aux usages actuels, il est présenté comme le socle des compétences du XXIe siècle, comme une espèce de grammaire commune finalement qu'on aurait pour les usages du numérique. Il s'inspire d'un cadre européen, le Dichcom, pour faciliter la, la mobilité des élèves, des étudiants, mais aussi des professionnels. Et il est conçu de telle manière que il peut, il peut être construit dans un parcours de formation tout au long de la vie. Il est initié à l'école, mais il doit pouvoir se construire aussi en dehors de l'école et après l'école. Ces compétences dites transversales sont articulées autour de quatre mots clés qui, vraiment en filigrane, les déterminent de manière très forte. La créativité, la collaboration, la communication et l'esprit critique. Il fait l'objet bien sûr d'un décret, Eric y reviendra tout à l'heure, et d'un excellent document d'accompagnement, je l'ai cité, et nous avons en Polynésie française annexé le CRCN à nos derniers programmes adaptés de 2020. Voilà. Ce qui veut dire que résolument, notre ministère s'inscrit dans cette dynamique d'évolution ou de faire évoluer les compétences numériques de nos élèves eu égard aux usages que l'on constate dans la société polynésienne. Alors, le voici ce cadre, il est articulé autour de cinq grands domaines, à l'intérieur desquels on retrouve un ensemble de 16 compétences au total. Et quand on examine un peu plus finement ces domaines et ces compétences, on s'aperçoit que la priorité est donnée, effectivement, sur la consommation de données sur Internet, mais aussi sur la production, ou la création de données. Ça, c'est très important de le souligner. Une part importante aussi est accordée à la protection et à la sécurité, notamment à la notion de données personnelles et à la vie privée. Et on s'attache à travers de CRCN à développer vraiment l'esprit critique des élèves lorsqu'ils sont consommateurs de contenus sur Internet notamment. Et il y a quelque chose qui est apparu très récemment dans nos programmes, c'est la programmation qui apparaît maintenant de manière forte, et notamment au niveau du codage et de l'algorithmique. Dans sa mise en œuvre, il y a, cinq, il y a quatre pardon, niveaux de maîtrise qui sont attendus. Il y en a huit, en tout cas, en tout, mais catégorisés dans cinq grands niveaux. Le niveau office, novice, pardon, indépendant, avancé et expert, donc du niveau 1 au niveau 8, ce qu'il faut que l'on retienne, c'est qu'à l'école primaire, au collège et au lycée, on doit travailler les niveaux 1 à 5. Et au-delà, après le lycée, on peut travailler les autres niveaux. A minima, il faut que l'on travaille donc ces cinq niveaux. On a constaté lorsqu'on a examiné les outils qui nous sont proposés pour la mise en œuvre, que parfois, pour certains domaines et pour certaines compétences, on peut aller jusqu'au niveau 3, au cycle 3, à la fin du cycle 3, mais pas pour tout. Et là, effectivement, l'idée, c'est de vraiment construire un, partout, un parcours numérique pour nos élèves, à l'instar notamment des parcours culturels, artistiques, citoyens qui existent par ailleurs. Pour la mise en œuvre de ce référentiel de compétences numériques, il y a un une, des étapes progressives finalement qui nous sont indiquées. Alors, l'initiation se fait bien entendu au niveau de l'école primaire. Il s'agit là de commencer à construire les premiers pas du, cap, du parcours numérique de nos élèves. L'organisation de ce parcours se fait en travail d'équipe. Il peut être commencé déjà dès la maternelle, mais c'est bien à partir de l'élémentaire que les enseignants vont commencer à s'attacher, à évaluer les premières compétences que les élèves vont construire au travers des projets pédagogiques, de consultation, de production, que les enseignants vont les faire vivre. Et nous avons une première exigence, c'est qu'à la fin de l'école élémentaire, c'est-à-dire en fin de CM2, on renseigne déjà dans le livret scolaire unique, le LSU, des éléments constitutifs de ce parcours qui vont être replis, bien entendu, en sixième également, puisque c'est en CM2 et en sixième qu'on fait une inscription dans le dernier bilan périodique dans le LSU. Et après, on fait un saut qualitatif au niveau de l'enseignement, de l'évaluation et de la certification de ce référentiel de compétences à partir du cycle 4, avec deux niveaux de certification qui sont bien déterminés par le décret, et qu'Eric va vous développer tout à l'heure un peu plus longuement. Dans le second degré, on met en place ce fameux service public que l'on appelle PIX pour l'évaluation, pour le suivi, pour la certification des compétences des élèves. Au niveau du premier degré, il n'est pas encore créé, il n'existe pas, pas encore. Il est peut-être question qu'il le fasse. Euh, peut-être un peu plus tard. Pour le moment, nous sommes donc sur un processus d'enseignement, de suivi et d'accompagnement euh, habituel, comme on le fait d'ailleurs par ailleurs pour les compétences du socle commun euh, de, com de, de, de connaissances et de culture. Donc voilà ce que je peux dire pour ma première partie. Pour accompagner nos enseignants dans le premier degré, nous avons fait déjà un très très gros travail de recensement des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du CRCN. Elles sont disponibles sur le site de l'ADG2E et nous sommes même en train de travailler sur une base de données relationnelle pour faciliter le travail collaboratif au sein des équipes, animé pédagogiquement par le directeur d'école, pour garantir effectivement la véritable continuité de construction de ce parcours en intercycle et puis en interdegré, c'est-à-dire entre le premier et le second degré. Voilà donc pour ma partie. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Éric Silva, qui va poursuivre avec Pix dans le second degré. Oui. Merci Jean-Louis pour cette présentation du cadre. Alors euh, je rappelle, comme l'a signalé Jean-Louis, les textes officiels qui sont parus en 2019, au mois de septembre 2019, Trois décrets y arrêtés qui précisent un peu les choses. Le premier qui nous dit que le cadre de référence des compétences numériques, dont vient de parler Jean-Louis, fait partie intégralement des programmes et de toutes les disciplines. Que ce cadre de référence doit être évalué. Les compétences numériques sont évaluées et elles le sont déjà depuis 2019, puisque l'a rappelé Jean-Louis, le LSU, le Livret scolaire unique, possède une rubrique qui est destinée à l'évaluation de ces compétences. Et dernière nouveauté, la mise en place d'une certification PIX, donc certification des compétences numériques, qui a lieu tous les trois ans et qui est obligatoire à partir de la fin du cycle 4. Cette certification concerne donc les élèves de 3e, les élèves de terminal au pluriel, général, technologique, professionnel, terminal CAP. Mais également les sections de techniciens supérieurs, les élèves de classe préparatoire et les élèves en université. Alors, euh, Jean-Louis a dit que le B2I avait, avait vécu, le C2I à l'université, il en est exactement de même. Et donc, euh, le certific... la certification PIX et l'évaluation de ses compétences concernent tous les élèves et étudiants de, euh, du système éducatif. Alors, dès, euh, bien entendu, euh, il ne s'agit pas seulement de, 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 de certifier et de valider des compétences, il va falloir évidemment former les élèves. Et le piège, ou plutôt le défaut que nous ne devrions pas connaître, c'est celui que nous avons connu avec le B2I, qui, ma foi, n'a garde pas un énorme succès. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Catherine bichito euh, c'était essentiellement l'affaire des professeurs de technologie. PIX. Bon, c'est un groupement d'intérêts public dont les différents collaborateurs et membres sont l'éducation nationale, le ministère, le Centre national d'enseignement à distance et l'Université ouverte des, des humanités, une des sept universités ouvertes qui, qui, a comme, qui, qui mutualise des contenus et des ressources à destination des, des, des universités. En fait, ce n'est pas une, à proprement parler une université, c'est un... Un regroupement d'enseignement euh, de, de, supérieur qui produit des documents à destination des universités, et ils ont comme mission de développer les ressources numériques dans les universités. Pix, plateforme en ligne, une application libre et gratuite utilisable par tout citoyen, et ce n'est pas absolument pas réservé aux scolaires, comme nous l'avons présenté jusqu'à présent, qui permet de diagnostiquer, d'une part. Alors c'est vrai que ce diagnostic est un peu compliqué pour cette première étape, puisque les élèves de troisième qui sont les premiers à passer la certification, la certification a commencé le, le, le 8 mars en, en Polynésie. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder demain un reportage qui, qui, qui montre des élèves du collège de Tipehui passant la certification PICS. Mais plusieurs collèges ont déjà commencé. Hein. Diagnostiquer alors. Euh, c'est effectivement une étape un peu délicate parce que les élèves ne vont pas passer directement cet examen de certification. Ils ont besoin d'avoir été positionnés. C'est le mot qui est utilisé pour cette plateforme. Le positionnement signifiant qu'un élève est positionné sur au moins 5 des 16 compétences dont on a parlé tout à l'heure. Cette plateforme diagnostique évalue, valorise et certifie, comme on l'a déjà dit, mais également est utilisé pour se former. Car euh, l'élève ou le citoyen qui passe, qui, qui se teste lors de, cette, de, de ces exercices PIX dont on va voir quelques exemples tout à l'heure, a au bout de cinq questions successives, le, 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 les résultats de ces, de ces différents profils. Et on lui propose un certain nombre de tutoriels qui permettent de se former. Tutoriels sous forme de, de vidéos ou de fichiers PDF. Plusieurs plateformes. Alors la plateforme PIX, celle dont on parle essentiellement, puisque c'est celle qui est utilisée par les élèves et puis par les citoyens, qui permet de auto-évaluer et de se, de se former. La plateforme PIX-ORGA qui est réservée aux établissements scolaires, qui est administrée par le chef d'établissement ou euh, par un référent PIX et qui, euh, qui a comme euh, mission de construire des plannings de formation, ce qu'on appelle des campagnes de formation à destination des élèves et euh, gère bien entendu la base de données des élèves et des membres de l'équipe éducative. PixCertif, la plateforme qui permet de passer ces examens de certification, qui est ouverte depuis le mars, mois de mars 2000, 2021. Et enfin, tout nouveau, la plateforme PixPro, qui est à destination des entreprises, qui euh, prend comme, euh, comme mission de, 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 de former ses, son personnel aux compétences numériques. Peut-être qu'à la rentrée 2021, il y aura un PIX enseignant, puisqu'il est question, en tout cas à la prochaine rentrée, de passer la certification PIX pour un certain nombre d'enseignants. Alors, euh, oui, j'ai dit que c'était une, une plateforme qui permet également de se former. Je, voici une diapo où vous avez euh, des tutoriels sous forme de, de, de vidéos qui sont présentés suite à des questions que l'élève n'a pas su répondre concernant euh, les licences Creative Commons. Voilà. Ces vidéos peuvent bien entendu être enregistrées et l'élève les retrouvera sur son profil. Alors, ces épreuves PIX évaluent évalue, évalue essentiellement trois types de, 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 de compétences. D'abord, un certain nombre de savoir-faire. Savoir-faire, l'utilisation de certaines applications, limitées au traitement de texte, au tableur, au logiciel de représentation de présentation, pardon, euh, à des logiciels de traitement d'images et de traitement de vidéos. C'est à peu près les, les, les applications qu'ont utiliser euh, les élèves pour résoudre un certain nombre de défis. Euh, correspondant à une ou plusieurs compétences, d'ailleurs, du, du, du cadre. Un certain nombre de connaissances, comme on l'avait vu sur la diapo précédente, voilà, la connaissance sur les, les licences Creative Commons, bon, ça, on ne le résout pas le jour de l'examen, et c'est un certain nombre de choses qu'il faut connaître. Et on ne, on ne, le, le, les, les rubriques 4 et 5, concernant euh, l'environnement numérique et la protection, concernent évidemment, de manière générale, l'éducation aux médias, euh, un certain nombre de questions qui sont liées à, aux faits sociétaux et euh, aux avantages et inconvénients ou dangers de euh, mauvaise utilisation de dispositifs liés au numérique. Comme l'a dit Jean-Louis, cinq domaines voilà, qui sont repérés par des couleurs. C'est euh, vrai qu'il y a, euh, d'un certain temps on ne connaît peut-être plus les, le contenu de ces, de, ces, de ces différents domaines, mais on, ils ont toujours les mêmes couleurs. Qui regroupe, qui se décline en 16 compétences, et pour chacune de ces compétences, il y a 8 degrés de maîtrise. Seuls les numéros, les, les maîtrises, de, degrés de maîtrise de 1 à 6 sont actuellement euh, proposés par la plateforme Pix. Les, 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 les niveaux de maîtrise de 1 à 5 concernent le niveau scolaire, et on peut estimer que le niveau 2 pourrait être une cible à atteindre à la fin de l'école primaire. Dans certaines compétences, c'est vrai, on peut aller jusqu'à 3. Alors, euh, on avait eu tout à l'heure un, un, un tableau qui représentait l'ensemble de ces 16 compétences. Je me suis limité à une pour euh, vous montrer plusieurs choses. Tout d'abord que les niveaux 1 et niveau 2, qui seraient les cibles à atteindre pour l'école primaire, sont finalement relativement ambitieux. Si vous prenez que la première compétence, développer des documents à contenu majoritairement textuel, ben vous voyez qu'un élève à la LFC de l'école doit savoir correctement utiliser, euh, correctement utiliser euh, un, un traitement de texte et doit savoir intégrer dans un texte des documents euh, multimédia, c'est-à-dire jouer avec le son, des images, etc. En particulier pour, cette, pour, cette, pour ce domaine et ses différentes compétences, euh, nul besoin d'utilisation d'Internet. C'est essentiellement de la manipulation des applications euh, classiques. Ce qui est intéressant aussi, alors on ne le voit pas parce qu'il ben, y a 8, 8 degrés de, 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 de maîtrise, donc euh, je, je, je n'ai fait qu'une qu photographie sur les deux premiers. À partir de niveau 3 et de niveau 4, ce qu'on rencontre en plus, ce sont des compétences qui sont liées au travail collaboratif et d'échange. C'est-à-dire qu'à partir de niveau 3, on peut avoir... Ben, les mêmes compétences, mais l'élève est capable d'expliquer à son camarade. À partir du niveau 4, il est capable de, de mettre en place un travail collaboratif, c'est-à-dire que le travail qu'il a réalisé, il le met sur un cloud et permet d'échanger avec ses pairs. Voilà. Et euh, effectivement, euh, nouveauté des, des, des différents programmes dès l'école, dès euh, la partie programmation qui se trouve dans le domaine. Dans le domaine création de contenu, nous avons le codage, l'apprentissage du langage informatique qui débute dès, dès l'école. Alors à l'issue d'un travail sur Pix, que ce soit un travail d'entraînement ou d'évaluation, de, de, la plateforme renvoie un profil. Le profil qui est constitué de de, de badge, un peu à l'image des, des dispositifs de formation continue à l'anglo-saxonne, où vous avez pour, chacun de, pour chacune de ces 16 compétences le niveau atteint. Alors, euh, je n'ai que la première ligne pour la compétence euh, information et, et, et données. Euh, ce qui me permet de faire une petite parenthèse sur PIX. PIX qui est en fait une abréviation de Pixel, qui est l'unité élémentaire de l'image numérique. Voilà, c'est donc un petit jeu de mots d'informaticien. Le PIX est aussi utilisé comme degré de maîtrise des différentes compétences. Euh, chaque niveau de compétence apporte 8 PIX. Il y a 8 niveaux de compétences, 8 x 8 64, il y a 16 compétences, 64 x 16 1024, magique des puissances de 2, c'est 2 puissance 10, c'est-à-dire 1 kg pix. Voilà, donc euh, raison pour laquelle vous avez du 1024 qui est la note maximale que l'on peut avoir sur un profil pix. Et actuellement c'est 768, puisqu'il n'y a que le niveau 6 qui est délivré par pix. Si vous faites le même calcul, vous tombez sur 768. Euh, un petit exemple, parce que voilà, on a parlé de PIX, euh, on a parlé de compétences euh, numériques, mais on n'a pas encore vraiment d'idée de ce qu'on peut voir dans un exercice euh, PIX. Alors je vous en donne un. Ça permettra de, de, de discuter, d'échanger, de réfléchir pendant la pause méridienne. Un exercice, alors il n'est pas issu de PIX, mais il est fortement euh, influencé par ce que j'ai rencontré sur PIX. Il pourrait l'être et il pourrait être donné à des élèves de niveau seconde. Je ne peux pas exactement préciser à quel degré de compétence cela peut correspondre, mais on va dire du 3-4. Voilà une photographie d'une personne dont on voit juste les pieds, qui est, on le comprend, dans une gare, un train qui arrive. Cette personne va monter dans le train et on sait. On admet que cette personne va descendre deux stations plus tard et on lui va demander à l'élève où va-t-il se trouver à l'issue de sa sortie. Ce n'est pas une devinette, c'est l'esprit PIX. C'est des défis sous forme de problèmes qui peuvent, qui peuvent faire intervenir plusieurs étapes. Je vais vous les détailler sans trop rentrer dans les calculs précis. C'est une photographie, cette pho photographie, on peut la télécharger. L'élève a la possibilité de la télécharger. D'accord Une photographie, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est euh, le fichier numérique est un ensemble, est une matrice de de, de, de triplés qui représente les pixels de, 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 de images, Mais une photographie numérique possède en plus un certain nombre de données qu'on appelle des métadonnées qui ne sont pas apparentes sur le fichier. C'est ce qu'on appelle les photos, les euh, les, euh, les données exif d'une photographie numérique. Et donc, première chose à faire, télécharger cette photo et euh, aller chercher les données EXIF. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces données EXIF Tout un tas de données concernant l'appareil de photo lui-même, la marque de l'appareil, la marque de l'objectif, même le numéro de série de l'objectif, euh, la vitesse d'obturateur de l'appareil, euh, la profondeur de champ de la photo qui a été prise. La sensibilité du film, etc. Je crois qu'il existe plus de 800 données exif, et celles qui nous intéressent, ce sont les données de géolocalisation, c'est-à-dire les coordonnées GPS de la personne qui a prise la photo, à l'endroit même, en supposant bien entendu que la photo ait été prise par un appareil connecté, ce qui est le cas de 99% de nos appareils photo actuellement, et bien entendu que la personne n'est pas effacer les données de géolocalisation que tout utilisateur peut faire. Et c'est là que j'en fais une première, première parenthèse. C'est un, un exercice à traiter avec les élèves pour leur montrer tout ce qui peut se trouver derrière une photographie et quels sont les dangers qu'ils encourent lorsqu'ils distribuent une photo sur un réseau social. Eh bien, on peut savoir où a été prise cette photo et avec quel appareil. Par exemple. Donc on est dans l'éducation aux médias. Mais ça ne suffit pas. Donc, nous avons nos coordonnées GPS. Travail de géographe. À quel endroit de la planète se correspond cet endroit Une fois qu'on a repéré cet endroit, avec un petit calcul mathématique, parce que très souvent, ces coordonnées GPS sont en, sont en, euh, en système décimal, il faudra les transformer en système sexagésimal. décimal Donc, ça fait un petit travail mathématique. Donc, il y a média, géographie, mathématiques. Une fois que nous avons repéré l'endroit, ben, on va chercher une carte un peu plus précise de l'endroit en question. Et on se rendra compte que à l'endroit où a été prise cette photo, ben, il y a une ligne de chemin de fer. Alors, on va supposer tout a été fait pour que ce soit simplifié et qu'il n'y ait qu'une seule ligne. On a pris une bonne photo. Une fois qu'on a trouvé cette ligne, ben, il va falloir utiliser intelligemment un moteur de recherche pour trouver le plan de cette ligne. De train. Et une fois qu'on a, euh, qu a trouvé ce plan, eh ben, on sait où on est, à, à quelle station on était, on saura à quelle station on va sortir. Avec un petit problème de logique, puisqu'il y a deux solutions possibles, puisque la photo ne nous permet pas de dire dans quel sens se déplace le train. D'accord voilà un exemple euh, d'exercice PIX, certes niveau, niveau lycée, mais qui fait intervenir de nombreuses disciplines. Et je pense que nous devons vraiment insister dans les équipes pédagogiques pour que ce PIX soit. que tous les collègues de toutes les disciplines s'approprient euh, ce cadre de compétences. On peut travailler des compétences numériques dans quasiment toutes les disciplines. J'ai dis, dit quasiment, mais non, dans toutes les disciplines. D'accord Voilà. Alors, il existe, bien entendu, euh, notamment pour, les, pour, le, pour, le, pour, le, pour le début du cycle 4, tout un tas de questions qui sont beaucoup plus élémentaires, qui consistent à, à utiliser correctement un traitement de texte. Voilà, les, les premières questions les plus simples consistent simplement à, à taper une suite de caractères ou une suite, une phrase qui comprend des, des caractères spéciaux, des lettres accentuées, des majuscules, des minuscules, etc jusqu'à jusqu des, des situations un peu plus complexes euh, où il faut aller fouiller un peu dans les différents outils euh, des, de, de ces outils qui sont utilisés. Mais euh, j'ai dit tout à l'heure, en regardant un peu plus près le niveau niveau 1 et niveau 2, pour avoir vu des élèves et la, 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 la difficulté qu'ont des élèves à maîtriser ou à utiliser correctement un traitement de texte ou un tableur, je pense que nous avons encore de gros efforts à faire, gros travail à, à faire, qui peuvent être réalisés, encore une fois, dans toutes les disciplines et sans être nécessairement connectés. Voilà. Et un travail de. De, de, de formation qui peut être réalisée même sur tablette. Voilà, voilà pour la présentation de PIX. Alors PIX, oui, peut-être un mot sur PIX, je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, PIX n'est proposé aux établissements euh, scolaires que tous les trois ans. Hein. C'est-à-dire qu'une certification PIX n'a une durée de validité de trois années. D'accord Et j'ai également oublié de dire que PIX... Groupement d'intérêt public dont le, le membre essentiel est l'Éducation nationale, mais est reconnu par le monde du travail. C'est-à-dire que cette certification PIX, alors c'est pas pour rien qu'il y a un, un, un portail PIX Pro, va être utilisé dans, dans le monde professionnel. On exigera peut-être dans certains CV ou dans certains dans euh, appels d'offres un niveau minimal de maîtrise des compétences numériques. Voilà. Merci.